à trouver quelqu'un qui connaît déjà la rivière de Bapouré, ce qui est pas mal, parce que là il doit faire 50 degrés à l'ombre. Donc pour l'instant on n'a pas encore vu d'eau hein, dans le coin tellement qu'il fait chaud. En tout cas, on a l'air d'être sur le bon chemin, personne n'y croyait, n'est-ce pas, Anouk et Fabrice? Oui. Alors on a l'autorisation du chef du village pour aller voir le crocodile sacré. Il y a déjà beaucoup d'étrangers qui sont venus voir ce crocodile. Aujourd'hui, là, tu vois les montants, c'est, ouais, les étrangers. C'est vrai. Les étrangers, ça, ils sont venus pour remercier. Ce qu'ils ont demandé, ils sont satisfaits, ils sont venus remercier. C'est les étrangers, ça. Et il y a déjà beaucoup de monde alors qui sont venus. Effectivement, les gens viennent. Que d'autres viennent du Ghana, d'autres viennent du Tchapavo, Ghana, ils sont venus remercier. Et tu connais l'âge de ce crocodile? Je connais là-bas. Oh, je veux savoir là. Mais qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, ce crocodile? Ouais. D'abord, si tu demandes la santé, tu peux avoir. Si tu es un malade, que tu as souffert, il n'a pas pu guérir, tu viens, ça va aller. Tu veux quelque chose, tu veux la chose, tout ce que tu veux dans la vie là. Alors c'est la boisson traditionnelle pour la cérémonie. C'est cérémonial. C'est cérémonial. On s'approche du trou du crocodile, on l'a pas encore vu. Il est sacré là, 5 doigts. Alors on se prépare, on a trouvé le crocodile, hein. Regardez, il existe, il est là, vous le voyez. Là. 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 Do what I can do, I'm going to do it.